Et même mes collègues vous le diront. Salmata, elle critique tout ce qu'on mange. Trop de sel, c'est trop transformé. Moi, je suis Salmata Ouedraogo. Je suis professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'enseigne au département des sciences économiques et administratives. Mon passage à Montréal pour mes études ont été vraiment teintés par une déprime en hiver. Mais quand j'ai aménagé ici en août 2008, j'ai trouvé le parc Rivière du Moulin. J'y vais tous les jours. C'est l'endroit où je peux me permettre de rêver. C'est l'endroit où je confirme que je suis une femme en quête de liberté. L'économie, ce n'est pas que des chiffres. C'est une science qui amène de la transformation et qui s'intéresse aux problématiques complexes de la société. Un de mes rêves, c'est l'éducation inclusive, une société dans laquelle on accepte chaque élève selon sa religion, selon son orientation sexuelle, selon sa couleur de peau. Je me rappelle qu'une fois, à un de mes cours, les étudiants avaient leur lunch. Et j'ai été choquée. Je voyais que chaque étudiant était occupé à prendre son lunch sans s'intéresser aux voisins. Et je leur ai dit, moi, ça m'étonne parce que pour moi, dans ma culture d'origine, on doit partager. Et pour moi, dans la vie de tous les jours, cette valeur, elle est importante pour moi. Donc, quand j'enseigne, c'est partager la connaissance, mais aussi partager des valeurs. Ça, les étudiants me le disent. Salmata, on a bien appris ce que c'est que l'économie, mais on a appris beaucoup ce que c'est que le partage. C'est ma passion, ça. J'adore cuisiner, moi.